Merci beaucoup, Eric. Merci à Maroc Export et à l'Institut Anamadeus de m'associer à cet événement qui est pour moi très important parce que cette marque Maroc, on la vit au quotidien et je pense qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant. Et donc, c'est vraiment agréable de voir que d'éminents spécialistes sont invités pour en parler. Donc aujourd'hui, le Maroc, catalyseur de la marque Afrique, moi je pense que le Maroc a un rôle très important à jouer. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de facteurs de rayonnement de la marque Maroc qui aujourd'hui lui donnent une légitimité sur ce positionnement comme catalyseur de la marque Afrique. Je m'explique. Aujourd'hui, je pense que le Maroc comme hub africain, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de tourisme, lui permet d'avoir ce positionnement comme catalyseur de la marque Afrique, parce qu'il y a quand même une légitimité par rapport à beaucoup de pays européens. Il y a aussi un second élément qui est très important. Le Maroc a un certain nombre d'ambassadeurs qui portent haut la marque Maroc et de ce fait lui donnent une légitimité sur la marque Afrique. Et en premier, je crois que le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, est le premier ambassadeur de la marque Maroc, mais aussi de la marque Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Moi, je me rappelle lors d'une visite du président Macky Sall au Maroc. À l'époque, j'étais président de la communauté sénégalaise et on les organisait pour venir accueillir le président Macky Sall. Et la première question que me posaient beaucoup d'entre eux, c'est pas est-ce qu'on pourra voir Macky Sall, mais est-ce qu'on aura l'occasion de voir le roi Mohamed VI. Donc, ça démontre qu'il y a un rôle très important qu'il a joué ces dernières années qui donne cette position à la marque Maroc. Mais bien entendu, il n'y a pas que ça. Il y a derrière un certain nombre de choses. Il y a des vecteurs de la marque Maroc. Un Karim Mahal est un vecteur de la marque Maroc au sein du continent. Les projets d'infrastructure. Un projet Nour est un vecteur de la marque Maroc, mais est également un vecteur de la marque Afrique. Parce que quand on parle de Nour, qui est une réalisation très importante au Maroc, on dit aussi en Afrique et dans le monde arabe. Donc c'est très important aujourd'hui. Il y a un positionnement très fort qui fait que le Maroc a cette capacité de pouvoir être le catalyseur fort de la marque Afrique. Et on le voit au quotidien. Tout à l'heure, Brahim Fassifiri parlait de Maroc figure de proue. C'est une réalité qui se vit au quotidien. Et bien sûr, il y a un certain nombre d'actions nécessaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste une marque jeune. Quand je dis jeune, c'est par rapport à, en tout cas, des marques usuelles, pays occidentaux, notamment colonisateurs. Donc ça reste jeune, une marque jeune sur le continent. Et qui dit marque jeune, dit aussi fragilité. Pourquoi fragilité? Parce qu'aujourd'hui, quand, pour citer certaines entreprises françaises, un Bolloré ou un Bouygues fait un projet dans un pays africain, c'est Bolloré, c'est Bouygues. Quand une entreprise marocaine ou une entreprise turque ou une entreprise chinoise fait un projet en Afrique, c'est une entreprise marocaine. C'est pas A, B ou C, c'est les Marocains. Et donc ça crée une fragilité parce que il y a une... Tout à l'heure on disait que nous sommes souvent en tant qu'entreprise marocaine des loups solitaires. C'est vrai que ce phénomène de loup solitaire crée une fragilité parce que chacun, et ça on est vraiment très vigilant sur cela au sein de la Confédération des entreprises marocaines, chacune des entreprises marocaines qui se déplacent sur le continent doit être consciente qu'elle est ambassadrice de la marque Maroc. Et malheureusement, les entreprises n'en sont pas suffisamment conscientes. Et donc, autant il est difficile de construire cette marque, autant il est très facile de la dégrader. Et une entreprise peut la dégrader. Donc il y a vraiment une conscience qu'on doit prendre sur cette fragilité de la marque et la nécessité de pouvoir très rapidement la détruire. Et donc il faut qu'on puisse s'organiser pour éviter cela. Et pour cela, il y a un certain nombre d'actions. Je pense que aujourd'hui, une des actions pour que le Maroc continue à avoir cette légitimité et à porter la marque Afrique, c'est qu'il faut déjà, on parlait tout à l'heure de coordination, je pense que la coordination, elle doit commencer par ses actions sur l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc intervient énormément sur le continent, à différents niveaux, que ce soit public, privé,
ou au niveau des fondations des ONG, il est important qu'on ait une vraie fédération, une coordination à travers un monsieur Afrique institutionnel ou une institution en charge de la coordination des relations avec l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Je ne parle pas d'institution au niveau de la direction Afrique des affaires étrangères, parce que c'est un rôle spécifique, mais il faut qu'on ait vraiment un positionnement institutionnel qui permette de coordonner ces actions pour, d'une part, capitaliser sur la marque, et d'autre part, éviter justement qu'il y ait des actions solitaires de dégradation de marque. Deuxième chose, pendant plusieurs décennies, le Maroc a annuellement formé des milliers d'étudiants africains. Si on fait le compte, durant ces 20 dernières années, il doit y avoir au moins 100 000 qui sont aujourd'hui perdus dans la nature. Pourquoi perdus dans la nature? Parce qu'on n'a pas gardé une traçabilité, alors que c'est des vrais ambassadeurs potentiels de la marque Maroc. Certains sont devenus présidents de la République, d'autres sont devenus ministres, mais on n'a aucune traçabilité. Et le phénomène inverse se produit, c'est comme ils sont perdus de vue et à un moment ils perdent le lien avec le Maroc, certains deviennent même des destructeurs de la marque Maroc, alors qu'on peut très rapidement en faire de vrais ambassadeurs, de vrais promoteurs de la marque Maroc à prix peu coûtant. Un troisième élément qui pour moi est très intéressant, il y a 2 ans lors du forum Afrique Développement, Madame Mahfiri a porté un message très fort sur le Made in Africa. Je pense que ce Made in Africa dont elle a fait la promotion lors d'Afrique Développement il y a 2 ans, aujourd'hui, le Maroc, à travers justement Maroc Export, peut porter ce Made in Africa qui est un vrai label. Je pense qu'il y a des occasions formidables et je pense que c'est déjà dans le pipe. Je ne fais que peut-être anticiper sur des choses qui sont prévues. Aujourd'hui, le Maroc organise la rencontre des OPC mondiaux. C'est l'occasion de faire la promotion. Je pense qu'il y a des organismes de promotion de différents pays qui sont prêts sous l'égide du Maroc d'adhérer à ce label Made in Africa et à commencer à produire réellement des produits Made in Africa. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel. Le Maroc peut être un grand fédérateur de la marque Afrique, un gros catalyseur de la marque Afrique, mais il faut absolument qu'on puisse éviter de tomber dans ces fragilités qui quand même sont là, parce qu'on est une marque qui reste jeune sur le continent, qui s'exporte depuis un certain nombre d'années sur le plan social et culturel, mais qui commence économiquement de s'exporter que depuis une dizaine d'années, si on oublie le commerce caravanier. Donc il est important qu'on puisse fédérer les actions, capitaliser sur les axes sur lesquels on a un potentiel. Et bien sûr, après, bon, c'est vrai que c'est aujourd'hui surtout axé sur l'Afrique francophone. Après, il y a un travail aussi qui est à faire sur l'Afrique anglophone, mais c'est une seconde étape. Mais déjà, en tout cas, sur une grande partie du continent, le Maroc porte bien la marque Afrique. Elle doit consolider cela à travers ses actions que je pense être très rapidement atteignables, puisqu'il y a cette légitimité qui est le fait du hub Maroc actuel, qui est une réalité. Alors pour compléter, merci beaucoup en tout cas, merci pour cette intervention. Voilà. Pour compléter et profiter justement de votre présence, mais vous l'avez répondu déjà à ma première remarque, qui était quelle Afrique ? Vous l'avez dit, en fin de compte, c'est surtout l'Afrique francophone qui est le résultat de son histoire, de sa géographie, bien sûr, Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, et peut-être jusque la zone CEMAC en Afrique centrale, parce que le Maroc n'est pas très agissant du côté de l'Afrique de l'Est, et même pas en Afrique australe. Mais mon autre question, elle est relative à tous les débats qui ont lieu ce matin aussi sur la consolidation de la notion du concept de marque. Quand vous dites le Maroc a vraiment les atouts et commence déjà à le faire et sur la voie justement de pouvoir être catalyseur de la marque Maroc, ça c'est la vision, ça c'est le discours et les institutions, il y en a d'autres ici sur le panel qui peuvent en témoigner. Quand une institution marocaine parle du Maroc, elle parle du Maroc comme pays africain, mais en revanche la population marocaine, moi je suis toujours parfois étonné de l'ambivalence. Ils disent « on est dans l'Afrique », mais après ils disent « nos amis africains ». Est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas un travail à faire aussi du côté de la population marocaine, de ce travail d'identification réelle et consciente au continent africain ? Parfaitement. Vous touchez du doigt un élément qui est
aussi très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un phénomène naturel qui va le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même, depuis 5 ans, un brassage de plus en plus important des populations, en tout cas en provenance d'Afrique subsaharienne, avec les populations marocaines. C'est un phénomène qui n'existait pas. Donc, c'est vrai qu'il y a 10 ans, tout le monde disait les populations d'Afrique subsaharienne connaissent mieux les Marocains que les Marocains ne les connaissent. Aujourd'hui, les choses commencent à bouger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un travail, il y a un double travail, un travail de sensibilisation très fort au niveau des populations marocaines pour effectivement comprendre qu'aujourd'hui, le Maroc est à un stade d'émergence où ce phénomène migratoire ne va pas s'arrêter, mais va s'amplifier, hein, comme à un moment ce qu'a vécu l'Europe ou ce qu'ont vécu d'autres pays. C'est une évolution normale vers l'émergence. Mais d'un autre côté, il faut aussi que cette sensibilisation soit faite au niveau des subsahariens pour qu'on puisse avoir ce mix qui permette réellement aux uns de comprendre les autres. Et ça me permet aussi de toucher un élément qui a été aussi très important au-delà des tournées royales, la décision de régulariser pratiquement l'ensemble des subsahariens qui étaient en situation irrégulière au Maroc, a aussi joué très fortement dans cette consolidation de la marque Maroc dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc effectivement, je suis d'accord qu'il y a un travail à faire. Ce travail n'est pas uniquement au niveau des populations, il est aussi au niveau des entreprises, parce qu'il y a encore un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de loups solitaires qui n'ont pas encore compris qu'il faut traiter les pays d'Afrique subsaharienne d'égal à égal, qu'il faut avoir aussi cette connaissance culturelle pour intégrer les différences culturelles. Mais je pense que c'est un travail qu'il faut intégrer dans la démarche pour qu'on ait une vraie légitimité de ce Maroc catalyseur de la marque Afrique. Mais aujourd'hui, en tout cas, le plus difficile est déjà fait pour moi. Merci beaucoup, M. Diop. Merci. Oui, mais justement, j'allais vous passer la parole, M. Rué, patientez encore un petit peu. Je vais vous passer la parole parce que ce que M. Boussadek Bali a dit, c'est très important, c'est-à-dire, pour l'instant, ce qui se fait, il y a eu les précurseurs, ces grands groupes, hein, ces champions marocains, mais au niveau des PME-PMI, c'est une remarque qu'on entend souvent, d'ailleurs, dans le public, on organise des grands forums ici, vous l'avez dit, Afrique Développement ou autre, quelques chefs d'entreprise africains viennent, ils passent 3 jours, mais après, il y a très peu de suivi. Il y a très peu de joint venture, de coopération qui se met en place. Alors vous êtes au patronat marocain, c'est votre responsabilité, M. Diop. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Effectivement, donc c'est vrai que comme je disais, la marque a une certaine fragilité. Donc il faut faire ce compromis. C'est vrai qu'à un moment, on a beaucoup reproché aux entreprises de venir en délégation, de signer des accords et ensuite de disparaître et rien ne se passe. Mais depuis un certain temps, depuis 2 ans maintenant, il y a plusieurs actions qui ont été menées. Il y a 2 ans, une première action, c'est le comité de suivi des accords. Aujourd'hui, tous les accords sont suivis et au plus haut niveau. C'est des instructions de Sa Majesté et c'est suivi au plus haut niveau. Tous ceux qui ont signé des accords, les accords sont inventoriés et il y a un reporting qui était mensuel, maintenant qui est trimestriel, de suivi des accords. Et il y a le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances qui font tous les 3 mois une tournée dans les pays pour, entre guillemets, faire l'audit et s'assurer que ces sujets-là sont traités. D'ailleurs, récemment, on était en Guinée avec tout un ensemble de délégations pour faire l'état des lieux de tous les accords et voir les points de blocage. Donc, justement, c'est pour éviter cette fragilité de la marque Maroc. Autre chose aussi très importante, l'année dernière, lors de la tournée de Sa Majesté, on a mis en place ce qu'on appelle les groupes d'impulsion économique. Ça a commencé avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où on met ensemble les décideurs publics et politiques. Donc c'est présidé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays et les patronats des deux pays. Et on identifie tous les secteurs où il y a de la coopération existante ou potentielle. Et on met à la tête de chaque secteur un groupe de travail où il y a le patronat, un représentant du patronat marocain et un représentant du patronat du pays. Et ce groupe de travail traite tous les sujets, que ce soit les freins qui existent, les leviers pour accélérer la coopération, comment faire émerger aussi des acteurs régionaux. Parce que M. Bali, ce qu'il a dit est très important, mais pour que ça soit durable,
Il ne faut pas que les entreprises, les investisseurs marocains investissent dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Il faut aussi que des Mossadegh Bali, des Aliko Dangote, des Chris Kiroubi viennent investir au Maroc. C'est ce qui va permettre la durabilité et de ne pas considérer que ce n'est que dans un sens. Et c'est pour ça qu'on insiste et au niveau de la CGM, on est très conscient de cela et on fait tout pour justement pousser à cela. Récemment, vous avez entendu les rapprochements qui se sont faits entre Aliko Dangote et l'OCP sur Djerf El Asfar. Et il y a un travail qui est fait parce que c'est ce qui permet de la durabilité. Et pour parler des PME, vous savez, en fait, on fait beaucoup de communication sur les tournées royales. Mais on ne fait pas suffisamment de communication, c'est volontaire, sur tout ce qui est fait par Maroc Export. Maroc Export envoie annuellement, je ne peux pas donner le chiffre, mais des centaines de PME aller sur différents pays. Et ça, c'est très important. Parce que c'est vrai qu'on communique beaucoup sur les tournées royales, sur les grands groupes, mais il y a beaucoup de PME qui y vont. Aujourd'hui, il y a, je pense, plus d'une centaine qui vont partir dimanche sur trois pays. Certains, c'est en partenariat avec une banque. D'autres, en partenariat avec des associations professionnelles. Il y a même des start-up. Il y a du tout. Donc, il y a beaucoup de missions qui sont faites. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais bon, c'est moins médiatisé. Maintenant, l'Afrique est énorme. Donc, c'est vrai que il ne faut pas oublier, on a aussi un tissu de PME, entre guillemets, qui se cherche. Il y a beaucoup de PME qui ont aussi besoin déjà de se développer sur le marché local. Donc ce potentiel exportable, il n'est pas aussi inextensible. Et les pays, bon, c'est vrai que souvent c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, parce qu'on tâte le terrain le plus proche, mais ça se fait dans le temps. Il faut qu'on laisse le temps au temps, qu'on essaye de voir à travers ces groupes d'impulsion comment accélérer. Mais je pense qu'il y a un travail qui est fait. Maintenant, moi, franchement, ce qui... Aujourd'hui, le grand credo, c'est qu'on puisse faire le sens inverse aussi, amener de grands investisseurs qui ont leur marque. Je serai heureux le jour, effectivement, où j'aurai un hôtel Azalaï au Maroc. Ça voudra dire que M. Bali a été finalement convaincu de venir investir. Et aussi, un autre élément qui est très important et sur lequel on travaille avec certains groupes marocains, c'est que l'un des premiers actes qu'a fait Vivendi lorsqu'ils ont racheté Maroc Telecom, c'est de coopter le directeur général de Maroc Telecom dans le conseil de Vivendi. C'est un message fort. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à la deuxième étape de ces champions nationaux qui, pour justement ancrer leur positionnement africain, commencent à coopter dans leur conseil d'administration au niveau du siège des cadres, des dirigeants de leur filiale africaine. Et là, on aura vraiment cette vraie imbrication et on aura ce Maroc qui définitivement sera le porte-drapeau de la marque Afrique. Merci beaucoup. Très intéressant. Monsieur Diop, vous vouliez compléter ? Oui, pour compléter, je voulais dire que aujourd'hui, la vision fixée au niveau institutionnel du positionnement du Maroc comme résolument tourné en termes de relations économiques sur tout le continent africain est quelque chose d'irréfragable. C'est une décision, une vision institutionnelle. Et tout le travail qui est fait, que ce soit avec la Chine, l'Inde, dans toutes les tournées, dans tous les forums, dans tous les sommets Inde-Afrique, Chine-Afrique, le message est très clair. Le Maroc ne se positionne pas comme capteur d'investissement indien ou chinois pour le marché marocain. Le Maroc se positionne comme le gateway sur l'Afrique. C'est vraiment la position très claire. Et la stratégie... Et ce message est reçu. Il est clair et reçu dans les deux sens. Très important. Et complété par des dispositifs assez importants. Aujourd'hui, Casa Financity a signé des conventions avec plus d'une dizaine d'agences de promotion d'investissement de pays africains. C'est-à-dire que quand Casa Financity se déplace dans des pays pour faire la promotion de l'investissement direct étranger, elle ne fait pas que la promotion sur Casablanca, mais elle fait la promotion de l'investissement sur Casablanca pour se développer sur le continent. D'ailleurs, c'est sa vocation. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Et pour parler de la Chine, je pense que la tournée royale, avec la signature des derniers accords, n'est que la conséquence d'un certain nombre d'actions. Et pour dire concrètement, il y a deux ans, on a tenu un forum Maroc-Chine en Chine.
Il y a un peu plus d'une année, on a tenu un forum Maroc-Chine à Marrakech. Il y a eu le forum Chine-Afrique où le Maroc a été très présent à Johannesburg. Ensuite est venue effectivement cette tournée qui est venue consolider tout un ensemble d'actions. Bien sûr, et entre-temps, avec la présence, l'installation de Bank of China au Maroc, ça c'est un signe très important. Et deuxièmement, la signature de l'accord de swap sur le yuan. Donc c'est un ensemble d'actions qui sont coordonnées et qui rentrent dans une dynamique de positionnement du Maroc comme hub d'investissement chinois sur le continent africain. Donc c'est juste pour clarifier, on est vraiment dans une dynamique, pour compléter je dirais, on est dans une dynamique de positionnement dans ces relations Maroc-Inde, Maroc-Chine, Maroc-Russie comme hub de l'investissement en Afrique et bien sûr aussi comme réceptacle d'investissement marocain et d'exportation marocaine sur ces pays-là. D'accord. Une question. Un milliard, est-ce que c'est peu à l'échelle de la Chine? Est-ce que c'est pour aller peut-être dans le sens de ce que M. Rue a dit, on n'en sait rien, c'est un ballon d'essai de la part des Chinois? Oui, c'est un ballon d'essai, mais bon, c'est un milliard. Vous savez, un milliard d'investissements qui sont gérés par des banques marocaines qui ont un réseau assez développé sur le continent, peuvent financer un certain nombre de projets, et c'est une learning curve qui va permettre de démontrer la capacité du Maroc d'être un véritable hub d'investissement sur l'Afrique. Je pense que bon, si ça commence par un milliard, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, en effet. Oui. Mais quand on connaît les capacités financières de la Chine, c'est ça que je voulais dire. La COP22 a été évoquée à deux reprises, parce que, je le rappelle, c'est le prochain panel qui aura lieu donc dans une dizaine de minutes. En 30 secondes, peut-être, l'un ou l'autre panéliste qui veut réagir. Vas-y, allez-y, Monsieur Diop. Donc, peut-être juste en termes d'information, donc pour un certain nombre de sujets. Donc, pour la COP22, effectivement, le Maroc veut en faire la COP de l'Afrique. D'ailleurs, vous parlez, il y a une heure, il y avait une réunion à Lusaka pendant les assemblées de l'Abad où le ministre Mézouar présentait le projet à la Banque africaine de développement. Donc, on est en plein là-dedans, que ce soit côté secteur public, mais aussi côté secteur privé, puisqu'on a eu une réunion avant-hier sur ce sujet pour mobiliser justement les patronats africains pour en faire un vrai, parce qu'on a un partenariat avec une trentaine de patronats africains, une vraie COP de l'Afrique. Ça, c'est important, le Maroc y tient et on y travaille. Sur les étudiants, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on ne capitalise pas suffisamment. Je prends un exemple tout bête. La Chine a formé 500 étudiants sénégalais. Eh bien, tous les 6 mois, ces 500 étudiants, où qu'ils se trouvent au Sénégal, ont une réunion de travail avec l'ambassadeur de Chine au Sénégal. C'est dire qu'ils ont un suivi, qu'ils sont sur les radars, qu'on les suit, qu'on les surveille pour faire... Aujourd'hui, le Maroc a formé plus de 100 000 étudiants. On n'a nulle part une base de données qui retrace, et non seulement formé, mais a donné des bourses, donc a financé les études. Mais on n'a aucune base de données qui retrace ces étudiants. On va souvent dans des missions, on rencontre un ministre qui nous dit « Ah tiens, moi j'ai fait ma formation à Meknès, moi j'ai fait ma formation. » Mais sur aucun radar, ils ne sont. Et ça, c'est quand même des éléments, vous dites, ils portent la marque Maroc, mais on doit capitaliser là-dessus. C'est de vrais vecteurs et c'est un capital énorme qui a été institué depuis longtemps. Donc c'est plutôt ce que je dis. Sur les deux sujets, marque Afrique et sur les métiers mondiaux du Maroc, effectivement, Sitiami a parfaitement raison. Aujourd'hui, dans l'intégration dans ces chaînes de valeur mondiales, il faut qu'il y ait une continuité africaine. Et il y a beaucoup de travaux qui sont menés. Je rappelle encore une fois, moi j'aime bien le dire parce que Maroc Export ne fait pas suffisamment de communication là-dessus, à mon goût en tout cas. Il y a eu une délégation très importante d'acteurs de l'automobile qui sont allés en Côte d'Ivoire, et il y a des choses qui sont en train d'être faites en Côte d'Ivoire pour justement compléter cette chaîne de l'automobile où il y a un métier mondial du Maroc qui a fait ses preuves, et on est en train effectivement d'aller le dupliquer ailleurs pour le compléter, toujours dans cet objectif de co-émergence. Sur la marque Afrique, sur la marque Afrique, je pense qu'il y aura un événement en novembre. Je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, aujourd'hui, Maroc Export a su réunir les OPC africaines d'abord dans le cadre d'une organisation en les amenant régulièrement à Casa. Et donc, ils sont assez... Donc, ce rôle d'ambassadeur, de catalyseur de la marque Afrique
a déjà commencé. Et je pense que ce sujet de Marque Afrique, lors du sommet des OPC, en tout cas, moi, je prône pour qu'on mette en avant cette Marque Afrique. Et je pense que les OPC africaines, qui aujourd'hui suivent bien le leadership de Maroc Export, vont bien adhérer à cette dynamique. Donc voilà un peu quelques mots que je voulais rajouter par rapport à ces réponses. Merci beaucoup.